Les amis, dans cette vidéo, on va aller voir 5 matchs de Ligue 1 en un seul week-end. Il est actuellement 10h46 du matin, on est le vendredi 14 avril, je suis avec Dobby. On part direction Toulouse avec Patrick, du coup mon van aménagé, pour aller voir le premier match ce soir, donc Toulouse-Lyon. Ensuite, on revient à Rennes pour aller voir Rennes-Reims demain midi, enfin ouais. Demain après-midi, 17h30. Demain après-midi, on est de retour en fait. Exactement, en fait là on fait un aller-retour. Ensuite, on part à la mi-temps de Rennes-Reims pour partir à Paris, voire Paris-Lens. Je pense que c'est la plus belle rencontre de ce week-end. Paris-Lens, premier contre deuxième. Ensuite, on dort à Paris. On dort à Paris, ouais. On prend le train le lendemain matin, donc dimanche matin, direction Lille, à Villeneuve-d'Ascq, pour aller voir Lille-Montpellier. Lille-Montpellier. Ensuite, on prend l'avion, direction Marseille. Marseille 3. Pour aller voir Marseille 3 au Vélodrome. Et ensuite, le lendemain matin, lundi matin, 5h, on prend le train direction Paris, pour ensuite retrouver Patrick et reprendre la route pour aller à Rennes. Ouais. Que je regrette un peu d'avoir dit oui dans ce truc-là. Tout ça dans une vidéo et tout ça dans un week-end. Dans un week-end. On va avoir du coup 5 matchs de Ligue 1 sur 10, parce que comme il y a 20 équipes, ça fait 10 matchs de Ligue 1, on va avoir la moitié des matchs. Si on peut faire ça, c'est grâce à Betclic, et je vous en parle juste après. On va quand même un peu prendre la route, parce que ce week-end va être long. Allez, c'est parti. Moi les gars, c'est comme les vlogs foot, j'ai cette petite caméra-là que je vous montre là. La petite Canon Negra Mini qui passe partout, personne ne me fait chier avec. J'ai mon petit téléphone pour filmer en mode zoom. Donc voilà, on a le bon combo. T'as pris des slips propres? Non. Hein? Ah, tu vas le retourner? Ouais. Tu le mets et tu le retournes. Voici notre maison pour 3 jours. Let's go. Ah, t'as pris un petit sac à dos pour l'avion? J'ai pris un petit sac à dos, exactement. Par contre, les gars, le stade de Toulouse, il s'appelle comment? J'ai mis stade Toulouse, il y en a 650. Merde, Stadium FC, non? Ça a l'air d'être stylé, ça, Stadium FC, non? Hop, on va voir combien de temps ça met. Je dirais 6h20, 6h07. Faut compter plus, vu qu'on va être avec Patrick. Oh, la côte. Les gars, on prend la direction du sud. Non mais regardez, c'est quoi ce bordel? On va à Toulouse là ou on va à Lille? Non mais on s'est trompé trop, c'est pas possible. Je crois qu'à Lille il fait beau en plus là. C'est quoi ce temps de merde? Petite salade saumon, voilà. Petit cookie, petite bouteille d'eau. On est aussi un petit peu. Et toi? Ah, plus gros, plus gros. Regarde-moi ça, putain. Les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est souvent les motards qui connaissent cette appli, Rain Today. Ça vous permet vraiment de voir la pluie en temps réel. Regardez, radar HD. Et là, tout ce qui est en bleu, c'est de la pluie. Donc là, on peut voir qu'en France, c'est la merde. Et Toulouse, pour l'instant, ça va. Mais si on avance l'heure, donc c'est pour une heure après, tu vois, on voit que ça bouge. Et là, on voit que ça va Toulouse être... Toulouse, celui-là aussi, je pense. Ouais. Donc je pense qu'on va passer un match sous la pluie. Hein. Ce gâteau est interdit dans mon van, c'est interdit aussi par la loi. Ça devrait être interdit par non. la loi. Et ça rattrape. Ça, c'est bon. Mais pas ça. Non, mais du coup, si t'es fait comme ça. Non, donne-les à quelqu'un. Non, putain, non. Les bouchons bordelais, à chaque fois que je viens à Bordeaux, il y a tout le temps des bouchons. Regardez-moi ça. Ceux qui habitent là, ils doivent être. On parle du périph. Et pourtant, ils sont en Ligue 2. Non, ils vont remonter. Dédicace à vous, les Bordelais, on vous aime. Bref, les amis, si on part faire ces 5 matchs en un week-end, c'est grâce à Betclic. Betclic, vous l'aurez compris, c'est une application de Paris Sportif. Je fais la promotion, mais aussi et surtout la prévention. Les gars, quand vous pariez, attention les gars, attention. Pariez déjà de 1, l'argent que vous pouvez perdre. Parce que mine de rien, c'est quand même de l'argent dépensé sans vraiment savoir ce que ça va devenir. Donc c'est gênant, c'est chiant. Et de deux, bah faites comme moi, pariez de temps en temps, occasionnellement. Par exemple, moi j'ai pas parié depuis la précédente vidéo au Stade de France. Je parie en général sur les matchs de Ligue des Champions, sur des fois la Formule 1 et sur les matchs d'équipe nationale, notamment Coupe du Monde ou Euro. Évidemment, ça je pense vous le savez, c'est interdit aux mineurs. Donc toi Titouan, toi Vanessa, non Vanessa je pense t'es pas mineur, je t'appelle Vanessa. Mais bref, si t'as moins de 18 ans, ne parie pas. C'est interdit pour toi. Donc, pour ce week-end, on va se faire un pari par match. Et vu que là, on est vraiment au tout début, on va se faire un combiné des 5 matchs. Parce qu'on sait jamais, il y a peut-être un combiné qui peut passer. Voilà mon combiné des 5 matchs. Toulouse-Lyon, j'ai mis victoire de Lyon. Désolé les Toulousains, je vous aime, mais Lyon, ils nous ont mis 3-1 à Rennes. Je les sens chaud là. Puis c'est course à l'Europe aussi. Rennes-Reims, victoire de Rennes, évidemment.
Paris-Lens, victoire de Lens. Les Lensois, s'il vous plaît, me décevez pas. Victoire de Lens contre Paris. Lille-Montpellier, victoire de Lille. Voilà, en course pour l'Europe. Et Marseille 3, victoire de Marseille. La vieille cote à 1,19. Mais voilà, ce qui fait qu'en tout, j'ai une cote à 36,56. J'ai mis 15 balles. Si j'ai raison, je gagne 548,40€. Voilà, c'est un pari combiné. Les paris combinés, c'est encore plus de l'argent que t'es prêt à perdre. Parce que bah là, parier sur 5 matchs, il faut vraiment chater. Toulouse-Lyon, j'ai mis un seul pari à 10 balles. Nombre de total de buts, 2 ou 3. Voilà. Nombre total de buts, 2 ou 3. 3-0. 2-1, 3-0, 2-0, 1-1. Mais il y a obligatoirement une équipe du coup. Obligatoirement, s'il y a 2 buts, ouais. La cote est à 2,03, je la trouvais intéressante. Ce qui fait que j'ai mis 10 balles, je peux gagner 20,30€. Évidemment les gars, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à mettre mon code BOUZI. Ton premier pari est remboursé jusqu'à 100€ en free bet s'il est perdant. Le montant du remboursement est égal à ton premier pari et il est reversé en crédit de jeu non retirable. En plus, ce soir et demain, il y a la Ligue des Champions avec des gros chocs comme par exemple Bayern City. Donc je vais pas vous mytho les gars, c'est le moment d'en profiter. Vous avez le lien en description. Bon les Toulousains, j'ai un mec du chat hier, j'étais en live, qui m'a dit les Toulousains. Wow. Ouais BOUZI, si tu veux viens avec nous, on a une place de parking, c'est l'apéro, on fait ça ensemble avant le match. Y a les Indians avec nous, etc. Les Indians, les gars, c'est les ultras de Toulouse. C'est les boss des boss, quoi. C'est eux qui mettent l'ambiance, on va dire. Et du coup, je suis en train de discuter avec lui sur Twitter. Il m'a envoyé un petit point GPS. Voilà. Donc, on serait vraiment à côté de la Garonne. C'est la Garonne. Ok. Il me dit, en cas de contrôle, tiens, tu donnes ça. Bon, du coup, les gars, je suis avec les supporters toulousains. Vous m'avez dit, du coup, vous étiez sur mon chat hier, chat Twitch, en mode ouais, viens avec nous si tu veux. Et donc, il y a les ultras là-bas, qu'on appelle les Indians. C'est ça, chez nous, c'est les Indians. Les Indians, ok. Voilà. Et toi, t'en fais partie? J'en fais partie, ouais. Et vous êtes passé dans le virage, vous? Le virage, c'est là où il y a vraiment le... Le virage Brice. C'est le virage Brice. Okay. C'est un supporter à nous qui est décédé. Et voilà. Ok. Ah ok, c'est en hommage à lui, du coup, virage Brice. Voilà. Et là, c'est là où... Voilà. Non, mais ça va être trop bien. C'est quoi vos pronostics, vous, les gars, pour ce soir? Ça fait 9 ans qu'on n'a pas battu Lyon. 9 ans? Ouais. Ah oui. J'y crois pas trop. Ah ouais, ça va être compliqué. J'avoue que sur Betclic, je t'avoue que j'ai mis un petit prono pour Lyon. Ouais. Malheureusement. Normal. Mais après, mais bon, ils ont battu chez nous 3, donc je suis. Bon, ouais, voilà, c'est pour ça. Oh là 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 là. Le choix, il y a bon. J'avoue qu'on a le choix. Vous préférez l'EF ou DSP, vous? Déjà, avec modération, on a beau être vos supporters et tout ça. Avec modération. Toujours avec modération, les gars. Non, mais on va s'en prendre une petite tout à l'heure. Pour commencer DSP et après okay. L'EF. Et tu m'as apporté aussi un petit cadeau? Un petit cadeau, ouais, c'est Raph qui l'a, c'est l'écharpe des Indians. Ah, c'est l'écharpe des Indians. Genre avec ça, genre vraiment je suis dans le clan quoi. Vas-y Dobby. Regarde ce qu'il y a écrit dessus. Ici même, les mémés aiment la castagne. Ah oui. Elle est belle. Et là il y a écrit quoi derrière? Je sais pas. Pierre Tolosa. Ouais, ça doit être du Toulousain ça. Et là, je dois chanter quoi là? C'est quoi vos chants? Celui qui donne le plus de frissons, c'est quand ils vont faire un calme plat et ensuite « Nous sommes le TFC !» Et là, on répète. Oh, vas-y, on verra. Ok. Je retiendrai ce moment quand ça va arriver. Et si vous êtes en tribune avec nous, c'est là que c'est vraiment le... Et c'est quoi votre numéro de département, vous? Le 31. Et 31e minute, ça chante ou pas? Non, c'est pas comme ça, vous? Non, il y a que nous. Il y a que nous. Nous, 35e minute, ça... Il y a tout qui s'allume, il faut... Et tu vas avoir le capot qui va te faire la tonalité, ensuite tu répètes. Le capot, c'est le mec avec sa batterie, qui est avec le micro, le mégaphone. Ok. Okay. On va se régaler, petit hot dog toulousain, c'est ça? C'est ça, hot dog toulousain okay. Avec une de chez Papinette. Ouais, c'est ça. Avec une petite saucisse de Toulouse. Saucisse de Toulouse, coleslaw, oignon frit, t'as les frites maison, tout est là. Donc là, on est bien. Ok. Très très vite. Le troisième parcours, c'est pas terminé. La roulade avant. Plus la passe dans le ballon pied. Du boulot, il est belle, il saute. Et il a levé. Plus 5 secondes et 66 centièmes. Il a battu son propre record. Il y a de l'ambiance à Toulouse les gars. Il y a carrément un mec de Ninja Warrior qui est venu les gars. Ça régale. Bon les gars, j'ai retrouvé deux supporters du TFC. On dit le TFC ici hein. Bien sûr, TFC. C'est quoi les gars vos pronostics pour ce soir? Moi, ça va être un match serré quand même je pense. Ouais. Serré alors que Lyon normalement ils vous ont toujours battu non? Ouais, depuis 2014. C'est chaud mais en vrai, moi j'ai envoyé un petit 2-1 pour Toulouse. 2-1 pour Toulouse, aussi, moi, je pense. Ok, victoire toulousaine quoi, ouais. Ça régale bien sûr, toujours. Et ça fait combien de temps que vous êtes supporter toulousain? Moi
moi je suis abonné depuis 7 ans maintenant. Ok. Et ah, oui. La première année avec les Indians, dans le virage, okay. Il y a l'ambiance, ça fait plaisir. Donc toi t'es Indians là? Ouais, maintenant, okay. Depuis cette année. Okay. Ça va aller au Stade de France là dans quelques jours. Ok, ouais. Bah oui, c'est vrai que Toulouse, les gars, est en finale de la Coupe de France contre Nantes. Ça régale ça. Ça régale. Ok, bon bah les gars, bon match. Merci. Et allez Toulouse. Hein. Ouais, allez Toulouse. Bon les gars, on est porte 2, on est au bon endroit d'Obi. Sors-moi ce billet. Vous allez bien? C'est bon. C'est bon? Nickel. Allez, merci. Je la cherche. Ouais mec, tu veux une photo? Ouais, allez. Est-ce que j'ai envie de te faire payer la photo contre une gorgée de ta bière ou de ton coca? Non, je bois pas de bière, je suis une sèche. Je vais commencer une sèche. Je peux prendre de ta bière? Ouais. Là, j'avoue que j'ai soif. Vous êtes généreux à Toulouse. Vous êtes généreux, ouais. Bah ouais. J'ai rien vu. Non mais ça me fait boire moins, c'est bien. Non mais après ma saucisse, j'avais soif, ça me fait boire moins en fait. Trop bien. Évidemment, l'abus d'alcool c'est dangereux et avec modération. Bon bah Dobby, je crois qu'on y est hein. Non mais je crois que c'est nos places, ça va être là hein. Là c'est sec, là c'est des enfers. Bah, là vous rendez pas compte à la cam mais il pleut énormément. Regarde le sol. Ah oui. Sec mouillé. Ah, oui. Regardez-moi ça les gars. Ah oui. Oui. C'est stylé les gars, merde. Tu veux faire une photo? Ah ouais. Vas-y. Oh c'est incroyable. Comme par hasard. C'est quoi vos pronos les gars? Alors, après là c'est 2-2. 2-2. Ah oui oui. Bon bah voilà notre place pour le match. On est pas mal hein. Minutes. Chant catalan les gars là, c'est chant catalan ça hein. Ils sont pleins. C'est le troisième virage de France. Allez, Oulas, ça dégage. À la maison de retraite, Oulas. Qui ne saute pas n'est pas toulousain. Allez, hop, on se fait. En fait, dans chaque ville, t'as un remix. La composition. La numéro 5. La numéro 8. Le capitaine. C'est quoi vos pronos les gars? Hein? C'est quoi vos pronos? Oh, on va la mettre la misère, 2-0 moi je pense. 2-0? Ouais, 2-0. Mais on est parti sur le bon lancer, okay. C'est chemin, ça fait plaisir. Ah, bon. Regarde, regarde, regarde le placement. Ouais, voilà. Ça c'est des supporters ça, regarde. Le stade c'est bien rempli hein. Oh là 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 là. Ah. Il y a du butin ici les gars. Bon les gars c'est parti pour le premier match de ce week-end de folie. Les supporters lyonnais là-bas. Si je m'étais pas pris les points, c'est parti là. Commence fort. Dans les veines, ça, les quartiers dans les veines.
gars, il n'y a plus qui arrive là les gars, regardez-moi ça. Ah ouais, on voit bien là. Oui, oui. Ça va, ici on est protégé les gars, on a rien. Tchut. Bon bah les gars, ouverture du score, c'est la 30ème minute je crois. C'est pas le plus beau. En tout cas les supporters les gars. Putain bah après c'est bon normalement en plus ça va être un petit. La réponse, ça va siffler là. Et le foot de bon mi-temps les gars, partout. Crossbar challenge, c'est ça Dobby? Ouais. Ah ouais non. Non, personne l'avait. À part Rocco. Qui se concentre. Il n'y a pas besoin d'agir de la pluie. Elle est bien partout, lui. Elle est pas loin. Elle est pas loin. Je vais nous le. Il va toucher la transversale. Il est bien mieux. Il est bien courageux. C'est la glissade ou la transversale. Oh la vache. Il est tombé. Allez, c'est reparti. Les gars. Ouais. Bah dommage. Une prochaine fois. C'est pas passé loin. C'est un bon match. C'est qu'en fait on connaît un peu les ambiances des stades. Ouais. Et en vrai ils ont quand même chanté tout le match. Oui. GG les Indians.
Oh les gars, oh putain, c'est pas... Ça fait chier, ça fait chier. Oh la vache. Mais les gars, mais vous êtes arrachés. Oui, désolé, j'ai pas dit de... Hein? J'ai pas dit de... J'ai dit de pour le teuf, mais... Ah mais les gars, vous êtes totalement arrachés, je suis mort. Oh putain, vous avez chanté ou quoi? Ils ont mis le t-shirt. Vous avez fait le t-shirt? Si vous trouvez un t-shirt bleu, les gars, ramenez-le. Mais t'as pas froid là? Non, ça va. Oh putain. Là, vous êtes pas chauffé? Non, on est même pas venu du coup. Vous avez dû prendre la pluie. On avait des mecs qui nous ambiançaient derrière. Ouais, on a vite pris la pluie, ouais. Nous, pour nous, on a gagné. Pour sûr qu'on a gagné. Ok. Passez une bonne. Merci à vous, les gars, en tout cas. Passez une bonne soirée. Je te check. Tu pars à Rennes là? Merci à vous, les gars. Ouais, alors, pars à Rennes. Parce que j'ai volé un pull, mais. Et dans le vlog, et dans le vlog, et dans le vlog, et dans le vlog. La 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 la. Ouais, merci. Bon les gars, on est sur la route. On est au niveau d'Agen là. On s'est arrêté là, là, allez, on s'arrête là au retour. En train de faire le plein. L'addition est salée. Oh là 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 là. Wouah, les amis, après cette bonne petite journée de route, il est temps d'aller se coucher. Pour pas vous mytho les gars, il est actuellement quelle heure là? 2h30, on est sur l'autoroute. L'autoroute. On est sur l'autofoot. On est à Meillac. Juste après Bordeaux. Comme ça, demain, on n'a pas les bouchons de Bordeaux, on est bien, on n'a plus qu'à partir direction Rennes. On mangera peut-être à Nantes un truc, et puis ce sera parfait. Chacun son petit oreiller. Oh putain, il y a des petits camping-cars. Vous voyez rien, mais il y a des petits camping-cars à droite, toi, à gauche. Tu me fermes ça, par contre, tu me fermes ces rideaux. Non, non. Quoi? Non. Mais la lumière, moi, ça m'empêche de dormir. Oui, il n'y aura pas de lumière. Ah, ça va alors. Moi, les gars, j'avoue, au début, j'avais mon van, je fermais tout le temps les rideaux et tout, je me saisais bien. Et maintenant, je m'en bats les couilles. Il y a des gens sans doute qui doivent me regarder dormir par là-bas. Putain, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je suis en mode bas les couilles. Ça me rappelle des mauvais souvenirs là, les gens qui regardent. Ah ouais, où ça? C'était où? De quoi? Avec Mich là dans le camping. Ah ouais? Très belle. Oh putain, avec Michou, ah ouais. C'était à Fréjus. Ah putain, c'était catastrophique. Soirée camping avec Michou les gars, c'était une des pires soirées de notre vie. Des abonnés qui venaient toutes les 10 minutes toute la nuit. Allez. Allez, bisous les gars. Ça va vous? Oh putain, on est parti pour le jour numéro 2. Après une bonne petite nuit. Ça va, Dobby? T'as bien dormi? Oui, mais on va bien, on continue là. Ah ouais, faut continuer un peu, il est 8h30 je crois. Non, je sais pas quelle heure elle est, mais elle est trop là. Par contre, j'ai bien dormi. Comment il fait beau là? Oh là 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 là. Après l'effort, le réconfort là, on peut le dire. Attendez, ouais, j'ai une sale gueule là. Oh là 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 là, le petit jus innocent qui régale, le petit hop, et surtout, ouais c'est bien, les petites gaufres liégeoises. Oh là là, Dobby, on est bien. Comment ils vont ici? Putain les gars, il est actuellement 11h49, ça fait 2h30 qu'on est en train de rouler, il nous reste... 1h58 de route avant d'arriver à Rennes. On rentre à la maison et c'est fini. On rentre à la maison. En vrai, là, on pourrait rentrer et se barrer. Mais non, on va continuer, les gars. On va continuer le défi. Mais du coup, en termes de paris, je me reconnecte à l'application. Betclic pour ma part. Boum ! Plus 20,30€. Donc j'avais mis nombre de buts total 2 ou 3. Au final, il y en a eu 3. Parce qu'il y a eu 2. Hein. Donc ça fait que j'ai gagné 20€ en pariant 10 balles. Donc plutôt pas mal. Et toujours en lice pour le combiner. Parce que j'ai mis Lyon qui gagne, Lyon a gagné. Toi mon petit Dob, ça dit quoi là? Tiens, je te donne mon tel. Donne-moi ton tel là que je regarde. Donc Toulouse-Lyon, toi t'as mis but d'Alexandre Lacazette. Il a marqué les deux buts. Donc, non, il a même pas marqué les deux. Ah non, il a marqué un, oui. L'autre 50-50. Ouais, oui, je suis con. Cote à 2 pour but d'Alexandre Lacazette. Sur penalty. Et t'es toujours en lice pour ton combiné. Donc t'avais mis Lyon qui gagne. C'est toujours bon. Après t'as mis quoi? T'as mis Rennes, Paris Saint-Germain pour Lens, Lille et Marseille. C'est là où il y a une modification quoi. Ouais. Toi t'as mis Lens, moi j'ai mis Paris. Ouais. Du coup si c'est là, Rennes, il gagne, on est bien. Ouais. Et par contre, il y a obligatoirement oui. au moins l'un de nous qui est triste oui, au match de Paris. Ouais. On peut être tous les deux tristes, il y a nul. Ouais. Mais il y aura l'un de nous deux qui sera triste.
Et cette semaine, les amis, Betclic a lancé la Boostmania. Il vous suffit d'aller sur votre application Betclic dans l'onglet Boostmania pour trouver des cotes boostées et des cotes surtout hyper compétitives. Et l'opération se déroule pendant 2 semaines non-stop, donc n'hésitez pas à en profiter. On est arrivé à Rennes, j'ai sorti l'artillerie lourde, regardez-moi ça. On est à domicile là, les gars. Petit maillot, petit jogging et surtout, on reste en t-shirt parce qu'à Rennes, contrairement à Toulouse, il fait super beau. Les gars, on va aller acheter un maillot Adobe juste après. Là, on fait le plein. Comme ça, là, c'est vraiment un plein stratégique dans le sens où on pourra foncer à Paris direct après sans avoir besoin de s'arrêter. Et du coup, on va pouvoir arriver à l'heure, normalement, j'espère. On va aussi aller se manger une petite galette saucisse. Bonjour. On peut dire qu'on est presque les premiers, là. Ah mais là, mec, on est... Attends, mais oui, on est juste à côté, là. Oh, on est vraiment bien. Sachant que les joueurs se garent juste de l'autre côté, là. Ah, attention, il va te placer, je crois. Oh là 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 là, la boubou la titique. La boubou la titique. Petit maillot. Lequel tu vas prendre, c'est ça le truc? C'est celui-là le plus beau, quand même. Bah, c'est ce que je préfère aussi, mais... Pour MJ, les gars, mais c'est déjà acheté, il a déjà tout. Il a pas la veste, par contre. J'ai craqué pour une petite veste que je trouve vraiment magnifique. Dobby l'aime pas trop, mais moi j'adore. Ça te rêvait pas les Girondins de Bordeaux à l'époque, ça? Si. Les trucs comme ça, là. Blanc et bleu, là. Ah, oh, ok, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, donc vraiment, les petits sont plus forts que toi. Hein. Oui, là, c'est beau, là. Ah ouais, c'est pas terrible. Malheureusement, c'était pas terrible. Allez, faut faire quoi? Faut slalomer. Juste slalom et après. Ouais, montre l'exemple, Dobby. Allez. Let's go. Putain, vous êtes chaud, les gars. Il y a toute une tribu pour toi, mec. Comment t'as fait, wesh? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh, putain. T'as t'es éclaté. À Toulouse, ils ont les Indians. Nous, les gars, on a, regardez-moi ça, on a le RCK, le Roison Celtic Cup. Donc ça, c'est un petit peu leur... Donc on a le stade juste là. Ça, c'est un peu leur QG, quoi. Ils ont un petit mobile home, un petit préfabriqué. Ils font l'apéro, ils discutent, ils se mettent à jour sur les champs, et puis ça part, quoi. Bon, les amis, c'est bien beau de s'amuser, mais parlons un peu sérieux. En termes de prono, j'ai fait mon petit pronostic du match de Rennes contre Reims, sachant qu'on doit partir forcément à la mi-temps pour ne pas louper Paris-Lens. Donc, je me suis fait un pari qui concerne que la première mi-temps. Toi, Dobby, t'as parié, c'est bon? Ouais, j'ai mis aussi, ouais. Je vais vous montrer... En toute sincérité, les gars, vainqueur Rennes en première mi-temps. Donc voilà, Rennes devant en première mi-temps, j'ai mis 15 euros. Cote à 2,69, je peux gagner 40,35 €. C'est risqué parce que dans le foot, on le sait tous, les premières mi-temps, c'est là où ça se cherche un peu. C'est plus en deuxième que ça vient marquer, mais je me dis, vas-y, soyons fous, on le tente. Toi, Dobby, ça dit quoi? Un petit pari sur un but de Kalimuendo. Ok, sur tout le match? Ouais, sur tout le match. Ok. Voilà, cote à 3 et quelqu'un. Bon, à l'odeur, les gars, on sait qu'il y a de la galette saucisse par là. Non merci, c'est bon. Oh là là. Au revoir, merci à vous aussi. Les gars, je vous le dis direct, il n'y a pas meilleure spécialité qu'à Rennes. 28 ans que je suis rennais, j'ai jamais goûté de galette merguez. Avec les prix uniquement pour toi, alors que la tienne, elle me donnait envie. Tu vas goûter ça avant moi. La tienne, elle me donnait plus envie. Ouais, ouais, mais. Ça, c'est le plat typique. T'as vu, la petite merguez, elle fait tiep. C'est le plat typique d'ici, ça? Bah, du avant coup, pas trop. Saucisse. Bah, je pas trop, normalement. Allez. C'est un remix, on va dire. T'aimes ça, mettre ça dans ta bouche, toi? Ah ouais, elle est bien rouge, là. Hein. T'aimes bien? Avec du ketchup, du coup? Ça doit pas être mauvais, en soi. J'imagine bien le truc, tu vois. C'est pas mauvais, mais c'est pas... C'est pas transcendant. Non. Ouais. En fait, okay, la galette, elle gâche tout, quoi. Okay. La merguez est bonne. Ouais. Par contre. Ok. En tant que sportif de haut niveau, je peux me faire plaisir de temps en temps. Une crêpe Nutella, les gars, c'est la valeur sûre. Hein. Pour avoir une crêpe Nutella qui est pas bonne, faut vraiment y aller. Ça, c'est vraiment le frigo des gros sacs à merde. Hein. Du pain, du jambon, des granolas, du beurre.
Pas que les sacs à merde. Des Red Bull. On va à notre place. Il est actuellement 16h40. Ça va bien? Ouais, bon match. Oh là là là. 4, on est un peu plus bas. Juste là. Oh la vache. Supporter pas très content. Je crois pas qu'on est patient, je crois pas que c'est le néant. Bougez-vous maintenant. C'est parti les gars. Let's go! C'est Jérém, j'ai pas vu. C'est beaucoup là. C'est beaucoup. Let's go! Gakou! C'est comme ça qu'on bouge le cul les gars, c'est parfait. Par juste avant la mi-temps, et ça, c'est la première fois que je pars à un match à la mi-temps, j'ai honte. Sur les réseaux, j'ai dit que je partais à la mi-temps, je me suis fait incendier. Les gars, c'est vraiment, on est obligé. Hein. Défi. Ouais. Sinon, ce soir, ça fait qu'on est dans la merde. On anticipe. Et au moins, ça nous évite de devoir rouler à 200 sur l'autoroute, on va dire ça comme ça. Mais là, 2-0, j'ai l'impression que les joueurs, ils étaient au courant que je partais à la mi-temps. Ouais. On a Patrick, il est juste là. Donc, attends, mais tu conduis? Ouais. Gars, la strat elle est simple, on va aux Ulysses, qui est une commune proche de l'autoroute en arrivant à Paris, en arrivant de Rennes. Et on a deux taxis motos, c'est méga sûr. Quand je suis sur Paris, que j'ai des tournages et faut que j'aille vite, j'ai le contact d'un taxi moto. Donc ils viennent à deux
Et bam, il nous emmène direct au Parc des Princes. Comme ça, pas besoin de se garer, de machin truc. C'est carré dans l'axe. Le GPS est mis. Il y en a pour 2h44, sachant que... Je sors par où, frérot? Non, c'est pas grave. Ah ouais, c'est là-bas. Ouais, il y en a pour 2h40. On arrive à 20h21, mais on est dans la merde. On est dans la merde totale. Pour cette deuxième mi-temps, les amis, on est posé. Hein. Enfin, l'oublié conduit, hein, évidemment. Bon, les gars, petit match. Toujours 2-0. Bon, les pieds, à ne jamais mettre comme ça, les gars, ne refaites pas ça, mais hop. Je suis en train de manger mon petit goûter tranquille. Et regardez ce que je viens de voir. Sur ActuFood, hein. Donc c'est censé être vraiment premier degré. Les 15 premières minutes de PSG Lens pourraient être impactées par un mouvement social ce soir. Conséquence pendant le premier quart d'heure. Les téléspectateurs devront se contenter d'un plan large et fixe. Pas de VAR. Pas de gros plan à l'entrée des joueurs sur la pelouse. Pas de plan de coupe ou de ralenti des actions. Les employés d'AMP Visual TV, qui produira le match, demandent l'augmentation de leur salaire. J'ai l'impression que... AMP, c'est ceux qui ont fait le GPX Live aussi, je crois. Ouais. Et le All-Stars. Ouais, aussi, ouais. J'ai l'impression que le stand m'attendait, en fait, pour faire des beaux plans. On va s'en occuper, les gars, pendant le premier quart d'heure. Y'a pas de soucis. Moi, j'ai pas besoin d'augmenter mon salaire, moi. Il est déjà bien assez haut. Je rigole. Espèce de beau. Quoi ? Espèce de beau. Augmente mon salaire. Et 1, et 2, et 3, 0. Théâtre, la Belgique. On vous aime, les gars. Putain, let's go. Le petit but de Théâtre, le but est beau. Mais lucidité va fixer. Hop là, ouais, c'est pas une grosse frappe, elle est bien placée quoi. La réussite, ouais. Deux défaites consécutives, c'est fait. Bon les gars, on peut le dire, même si on le valide un peu qu'à moitié. Deuxième défi validé, deuxième match sur 5. On n'est pas encore à la moitié. Alors, une toute petite heure et demie, on arriverait à 20h10. Donc après, avec la moto, il y aurait peut-être 25-30 minutes. On arriverait pour le coup d'envoi. Ça peut le faire, ouais. Ça peut le faire. On verra bien. Ça va le faire. On y croit, les gars. Bref, à tout à l'heure. Les gars, étape terminée. On s'est garé du coup aux Ulysses, pour ceux qui connaissent, dans le 78, si je dis pas n'importe quoi. On attend les taxis-motos. Il est actuellement quelle heure, Dobby? Est-ce que tu peux montrer l'heure aux abonnés pour montrer qu'on ne ment pas? Il est 20h12, le match est dans 48 minutes. Va falloir tracer, mais je leur fais confiance. Il est pas arrivé là. Ah, il y a le monde, ça va bien? Nickel, ouais, la forme. Dobby, mon pote? Voilà. Avec qui on va faire l'aventure, ouais, quoi. Ouais, écoute, alors, tu sais quoi? Tu vas faire de la cuisine ou de la moto, là? Écoute, il reste du rab, si tu veux. Il reste du rab à la cantine. C'est quoi ce sabot, là? Incroyable. Je suis prêt pour aller à l'école. Un demi, quoi. Là, t'es bien. Là, t'es bien. Allez, direction Parc des Princes, les gars. Raled, merci beaucoup. Merci je te check. À toi. C'est quoi ton site? Je peux Paris le mettre en Amplitude. Paris Amplitude. Taxi moto Paris Amplitude. Ça régale. Allez, ça régale. Merci, merci beaucoup. A plus. Merci, t'es un bon. C'est ça, c'est bon. Merci. Merci. C'est bon, nickel. Parfait, merci. Les gars, troisième stade et premier stade qui nous demande la carte d'identité.
Là, les gars, si on arrive à avoir le coup d'envoi, franchement, le défi, il serait incroyable. Il serait incroyablement validé. Là, c'est l'entrée des joueurs, là, vite! On se dépêche, on se dépêche! Merci. Ah, merde! Par là. Ouais. À la même heure hier, on était à Toulouse, les gars. Oh, les fumigènes. Les Lensois, là. Et les Lensois, ça fait deux fois en mouvement en deux semaines. Là les gars, le parcage de Paris, il est vite là-bas. C'est dommage. Ouais. Par contre, on est bien placé en vrai. Ouais. Regarde, on est au milieu, un peu loin, mais... Ouais, mais c'est bien, ouais. On a une vue d'ensemble. Vitinha, non? Oh là 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 là. Victor Machado Ferreira. Victor Machado Ferreira. Victor Machado Ferreira. Vitinha. Là les gars, il faudrait un tambour pour les entraîneurs là. Comme au basket ou en hand. Tambour et là tu dis bon, les gars, on va changer quelque chose. Les gars, on est parti pour une Golden Bar Crossbar Challenge. Un peu plus loin que... Ah oui. Un peu plus loin qu'à Toulouse. Un chèque cadeau de 10 000 euros. Et la puissance. C'est bien. Merci Nicolas. Il a le maillot avec le numéro 7 de Kylian sur le dos. Que ça lui porte chance. Allez. Wow, 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 wow. Ah, dommage. Deuxième mi-temps, c'est parti les gars. C'est parti les gars. Ah, il y a humain en fait. Let's go!
Waouh, fin du match les gars. J'ai faim. Moi aussi j'ai trop faim. J'ai trop faim. C'est où que tu m'emmènes Dobby là? À l'Indiana Café. Ok. 3 pour 1 intérieur. 2. Merci. C'est la mort. À la tienne BG. À cette aventure les gars. Les gars, c'est parti pour le jour 3. Et 7h48, on doit partir à Lille. On va se préparer à tout à l'heure. Là, on prend Uber, qui est juste là, direction Gare du Nord, histoire de pas laisser Patrick n'importe où. Et que le jour 3 commence. Hop. Bonjour. Yeah. Donc aujourd'hui au programme, les gars, Lille-Montpellier à 13h, Marseille 3 à 21h. Gare du Nord. Quand je pense à cette gare, je pense direct à Inox qui se fait voler son téléphone. Pourquoi? Non, c'était ici. Ah, c'était là? Ouais. Hey, macho de Biloute. Je m'entraîne pour là-bas. Ouais. Vas-y. Hey, macho de Biloute, va sonner le carillon, brique rouge. Bon, pour se patienter la dernière demi-heure, je me suis acheté une petite folie. Tu veux un 10 balles? Tu veux des boosters? Tu veux des boosters? Je suis allé dans la sauvette. 7 balles 50 quand même. Oh, ça brille fort. Ça brille très très fort. Oh là là. La petite carte énergie main Z, l'auto, ça brille. Et puis après, bah. Voilà. Oh. Arrête de perdre le mec et puis il casse les couilles, putain. Fais doucement. Oh. Oh, c'est un Zarbi. Zarbi en V, les gars. Pourquoi à chaque fois qu'on a une grosse carte, on prend une grosse voix? Ouais. Zarbi. Franchement, je sais pas qui est la meilleure du coup entre nous deux. J'ai l'impression qu'on a eu de la chatte. Donc, plutôt très content. Cartes. Ouais. Voiture 13, place 34. C'est parti, les gars. Direction Lille. Lille-Flandre. Pour ceux qui sont de Lille, les gars, vous connaissez. Moi, je connais pas du tout. Waouh! Je crois qu'on sort pas du même côté. Est-ce qu'on serait pas à Lille, les gars, là? On est pas sorti du même côté, je crois. Putain! Mais non, ça va quoi? Je te reconnais, c'est le bouseux, c'est ça? Ça va bien quoi? Il est là, Chevrail! Chevrail, les gars! Le gars sûr que vous avez sans doute vu dans des Among Us ou des vidéos à droite à gauche, quoi. Ouais, mon choupir! Oh là 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 là! Me dis pas que t'as lavé la caisse exprès! Comment vas-tu? Elle est neuve! Dans le nord, tu! Ça va? Bon, on m'a dit qu'il fallait prendre l'accent ici. Une petite expression du nord, Braille? Vin de juice. Vin de juice en mode nom de Dieu. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, Chebraille, on a une place pour toi, ça régale. Et si on peut se manger une petite spécialité locale telle des falcadelles? Trificadelles? Traficadelles? Des traficantés? Des fricadelles, ouais. Des fricadelles! J'en avais mangé une fois au Grand Prix de Spa en Belgique. C'était vraiment très bon. Faudrait trouver une friterie, mais aux abords du stade. Bah, ouais, attends, s'il n'y a pas de friterie aux abords du stade, il y a quoi en fait? S'il y a peut-être un truc. Non, il y a forcément quelque chose. Bon, les gars, moment pari. Hier, j'en ai pas reparlé. Pendant PSG Lens, j'ai fait un petit pari. Lens ne perd pas. Bon, ah. J'ai perdu les 15 balles. Ah, voilà, Lens ne perd pas, 15 euros, c'est ciao. Là, on est ensemble, j'ai perdu aussi 10 balles hier. Deuxième mauvaise nouvelle, le combiné. Lens, je croyais en vous, j'ai mis Lens gagnant, Lens a perdu, mon combiné de 15 balles, et ciao. Donc pour le combiné, il reste plus que Dobby en lice. Ouais, Dobby en lice, ouais. Il faut que Lille gagne cet après-midi, et Marseille gagne ce soir, en espérant que ce soit le cas. Et du coup, pour Lille-Montpellier, pareil, c'est toi qui vas m'indiquer le pari que je vais faire, parce que toi, t'es un supporter de Lille. Ouais, David Buter. Ah ouais? C'est tout, David Buter. David Buter, je mets? Ok. Moi j'ai mis de l'exotisme, Bousy, pour le match, là. T'as mis de l'exotisme, t'as mis quoi? J'ai fait un combiné. Un combiné, ouais, dis-moi. Ouais, j'ai mis, il y a but pour les deux équipes, parce que là, tous les derniers matchs, au moins les 10 derniers matchs, Montpellier est marqué. Ouais. J'ai mis nombre de buts total, 2 ou 3, et j'ai mis Lille gagne. Ah oui, d'accord. Donc un bon 2-1. Tu t'es fait un kiff, quoi. Un bon 2-1, ouais. On met combien, tu penses? Un petit 15 balles? Ouais, 15 balles, c'est bien. 15 balles, c'est bon.
Je gagne pas énormément, donc il a intérêt de marquer. Après, c'est contre Montpellier, tu vois, il doit être 14e, je crois, 15e. Non, donc, normalement, ne le gagnez pas. Donc, normalement, faut le gagner. Par contre, si vous le gagnez, en tant que supporter rennais, ça nous arrange pas trop. Parce qu'on est vraiment en course pour l'Europe, nous deux. Ouais, donc, on verra bien. Quand je viens, je me gare à Darty. Ok. Et là, ça m'a l'air un peu bouchonné. Bah là, les gars, pour tout vous dire, il est 11h42. Le match est à 13h, on est 1h18 avant. Ça va, même là il y a encore des supporters place. Qui sont déjà là, tu vois. Tu sais, ça c'est typique du Nord. Ah ouais. Il doit s'appeler Dylan ou David. Ou Jason. Ou Jason avec ça. C'est typique du Nord, il me dit. Oh la vache, le tuning. Bon, bon bah les gars, on est bien au stade Pierre Mauroy. Hein. Bon les gars, j'ai mis le mode anonyme en espérant que ça marche. C'est quoi le nom des COP, du COP des Ultras ici? Les DVE. Les DVE? Dog Viragest, ouais. La DDE. Okay. Mais les Dog Viragest, ouais, mais les gardent... chiens en du fait, virage. En fait, ils sont plus au Viragest, ils sont en sud. Okay. Mais ils gardent ça de l'ancien, okay, l'ancien stade. Alors, pour les réseaux. Faut que j'alimente mes réseaux, les gars. Attends, je me mets là. Oula. On a trouvé la boutique, les gars, mais y a personne, c'est parfait. Tiens, regarde donc. Pour MJ, les gars. Attends, on voit. Soit tu fais un blanc, soit tu fais un short. Ça, c'est mignon, ça. Les gars, il a la panoplie, là. Un américain, un fricadelle. Ouais, ouais, deux. Deux. Ça va faire de la place. Oh là là, regarde-moi ça. Deux Américains derrière. Je veux bien la même, s'il te plaît, après. Bien sûr. Et hop les... Les gars, premier croc dans ce petit sandwich fricadelle. Mais bon. Ça ressemble un peu à la saucisse de Strasbourg, mais en meilleur. Avec plus de goût, plus goûtu. Non ? C'est incroyable, hein. C'est à quel goût du c'est coup ? C'est trop bon. Marie, ça se régale, hein ? C'est incroyable. T'es combien toi ? 30 ? Non, t'es place 23 ? 22 ? Je sais pas, c'est où tu vois ? La droite. 22, et toi, 20 ? 24. 24, oh, okay. 22, 23, 24. Oh, on est à côté, c'est parfait. Ouais, bébé. Ils ont l'air de bien palper ici, hein, en termes de sécurité. Ouais, ils sont chiants. Tu dois te retirer de tes poches et tout. Ah ouais, vous allez bien ? Bonjour, ça va vous ? Ouais, très bien. La casquette, s'il vous plaît, monsieur, juste ici, un tout petit peu de bras à ce niveau-là. Merci, monsieur. Allez-y, bon match. Parfait, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Il y a peur aux bouchons et aux bouteilles dans le stade, c'est ça ? Non, ouais, c'est interdit. Parce que là, il les jette, c'est ça ? Exactement, s'il y avait eu des problèmes comme ça. Ah ouais. Super, merci les gars, passez un bon match. Je sais pas si vous regardez, mais bon match quand même. Oh là 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 ! Les gars, on est bien, regardez-moi ça. Oh, on a des vrais sièges. C'est incroyable le stade. Non, mais les gars, c'est des meilleures places que j'ai eues dans un stade. On est vraiment à la frontière entre les moins riches et les riches, regarde. Il y a les riches là. Et nous, on est encore en plastique. Le stade est vraiment beau. Ce match, on va le savourer, les gars. Et on a les Montpelliérains juste là-bas, regardez. Tout en haut. On dirait qu'ils sont venus en famille. Ah!
non. Bon, allez, c'est parti, les gars. Sont pas contents. Montpellier, 2-3 occasions, Lille, une dizaine, rien du tout au fond. Je pense que ça va causer. Je pense que là, dans les vestiaires, ça va être une moins bucoserie, ouais. Ici, on est dans un stade les plus modernes de France, voire même d'Europe, il me semble. Avec plus moderne. Ah ouais ? Ah, peut-être, ouais. Ouais. Déjà, de 1, je crois que c'est en France, c'est un des seuls stades qui se ferme quand il pleut. Donc bah là, vous avez comme un Roland-Garros, vous avez un truc qui se met là. Mais Brian m'a dit que ça mettait 45 minutes à se fermer. Donc s'il pleut pendant le match, je pense que c'est trop tard. S'il pleut toute la journée, je pense qu'il prévoit et il le ferme, mais sinon c'est compliqué. Quand c'est des matchs en journée, le soleil, il tape moins, tu vois. Ouais, vu que c'est coffré, mec. Hein. Bah ouais, on est dans une cuvette de shot, en fait. Tu vois ? Tu me dégoûtes, là. Non, mais c'est vrai. Je vais passer dans la vidéo. Voilà. Déjà, le changement à la mi-temps, c'est que il en veut. Oh la vache. Let's go. C'est sûr, c'est mieux d'en mettre d'autres. En tant que supporter du Stade Rennais, c'est mieux que ça s'arrête là. Thank you.
Il y a un mec qui est rentré sur le stade à la toute fin. Il a passé la ligne, il s'est fait détruire. Dédicace à lui d'ailleurs. Les gars, je suis en mode anonyme évidemment. Mais gros, tu sais que moi pour être anonyme, il y a juste un truc à faire. Ah ouais, j'avoue. Là c'est bon là. Ah ouais, putain, par contre là c'est tellement anonyme que je sais pas si je vais réussir à rentrer à Rennes, je vois pas. Je vais pas voir. Là je suis anonyme, gros. Bon, t'es content, Braille? Ouais, incroyable. De cette petite victoire. Le match était bien. Ouais. Les places elles étaient hyper bien aussi. Ouais. T'es proche du terrain. Bon bah tant mieux. Et voilà, un petit David qui a marqué. Exactement. On est bon. Pour le pari. Et voilà. Attendez, mais je viens d'y penser, mais en termes de paris là. Bah tout est passé. Tu m'as régalé. Tout est passé. Jonathan David, il a marqué. Pour le combiné de Dobby. Il manque plus que Marseille à gagner. Ouais, soleil et vent. Direction Lille-Lesquin. 12 minutes de route. C'est bien parce qu'entre l'aéroport et le stade, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ouais, voilà, c'est là, cool. Vu les bouchons, on est sur une demi-heure, je pense. Ouais, mais bon. Là, les gars, on est censé arriver à 15h20 à l'aéroport. L'avion est à 17h35. Sachant que c'est un vol national, donc en vrai, ça devrait le faire. Largement. Le souci, c'est là-bas, arriver là-bas, on va arriver à 19h15, donc d'après Dobby. On a quoi qui arrive là-bas? Deux taxi-moto, on retourne à l'expérience. J'espère qu'ils sont aussi bons que qu'à Paris. Et comme ça, on peut être à l'heure avant le coup d'envoi, je l'espère. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Et surtout, le plus important, c'est que l'avion soit à l'heure et ne soit pas annulé. Ça, c'est vraiment ce qui me fait peur depuis le début du road trip, d'avoir un problème d'avion et du coup de louper le vélodrome. Donc... ce serait con quoi. Bah vas-y les gars. Ouais, ciao Braille, le boss. Merci encore. Merci tout. Vas-y ciao Braille. Vas-y les gars, à plus tard sur Valorant. Pour ceux qui veulent voir ciao Braille sur Valorant, ça se passe sur twitch.tv/. Un homme fort. Un homme fort. Voilà. Je vous le mets en description, ça régale. Merci beaucoup en tout cas. Pour cette expérience à Lille. Premier voyage en avion pour ce road trip. Et le dernier aussi. Ah, 17h35, c'est celui-là là. Bon, un peu de montage de billes en attendant l'avion. Là, il est quelle heure? 16h30. Dans 20 minutes. 20 minutes, ça embarque? 20 minutes, on embarque. Bon, fallait bien qu'il y ait un problème à un moment donné, les gars. Ah, putain. Sinon, c'était pas possible. 17h10, l'avion a une heure de retard. On devait arriver à 19h20. On devait arriver à 19h30? 19h20. 20. Et au final... 20h20. Il y a 30 minutes, il m'a dit. Oh, c'est relou. C'est chiant, mort. Alors, il t'a dit quoi? Il m'a dit, je lui ai dit, il faut compter combien de temps? Il m'a dit 1h20. Mec, j'ai pas eu la même info une seule fois. 1h40, 1h30, 1h20. Et je le crois, lui, plus. Donc, il m'a dit, on arrive vers 19h30. Ok. 19h30? Ouais. Ouais. Il est marseillais. Il est marseillais. Il est marseillais. C'est un vlog un peu, toi. Ah, faut que je vlog un peu. Ah, je me suis entraîné, les amis. C'est pas un accent, mais après le patois lillois, je m'entraîne avec un accent marseillais. Faut falloir me dire, ok? Oh! Oh, j'aime. Tu tires ou tu pointes? T'as pas pris au pastis? T'as mis peut-être un petit peu trop de pastis dans ton verre, pas plus de 3 doigts. Eh! Hey, sont où les gadjis? Tu m'as pas ramené les gadji? Ça passe, non? Je vais serrer et couper, là. Bon, les gars, ça s'empire de fou. À cause des grèves ou je sais pas quoi, l'avion, il a déjà 2 heures de retard. Et là, il nous rajoute 30 minutes. Le match est à 21h. Et... on n'a pas décollé. Et on décolle dans 20 minutes minimum. L'avion bouge, les gars, ça y est. Ça y est. Là, mathématiquement, tu te dis, mais comment c'est possible? Comment on va le faire? Je me demande.
21h13 les gars. Ça fait 13 minutes que le coup d'envoi est lancé. On vient tout juste de descendre de l'avion. Stade, tu m'appelles, je vais venir te récupérer. Oh le boss, on a un contact là, t'es en train de me dire? Ouais bah j'ai toujours moi même. Let's go, let's go, let's go. On va le faire les gars, on va le faire. Bonjour, vous allez bien? C'est la mi-temps, hein, il reste plus personne à rentrer. Hein. Ouais mais on vient nous chercher. Ah ok. À partir de la mi-temps, il n'y a plus personne qui peut rentrer normalement. Deuxième mi-temps. Ah merde. Mais si on vient vous chercher, ouais, quelqu'un bon, bah. De dedans, normal, c'est normalement ça. Ok, bon bah. Merci monsieur. Tu vas bien? Ça va bien? Ouais ouais. Ah merde, il passe. Ouais, je les ai. Tu connais Michou? C'est pas ma génération. Non, mais il y a pas de soucis. Mais il me fait rire. C'est tout. Ouais. Si ils sont en retard, ils sont en place, ils avaient des légendes. On va arriver, il n'y aura pas d'ambiance, du coup, ce sera à mi-temps. Ça va être tout calme. Ah oui. Oui, il est bien là. Vous avez des buffets ici. Hein. Ok. Vous avez un bar aussi où vous pouvez prendre okay. à boire. Ok. Et la table où on est, je vous la montre comme ça, vous pouvez vous installer. C'est incroyable. Ah, mais ça a repris en plus. T'es pas à Rennes, t'es pas à Lille, t'es pas au TFC. T'es pas au TFC. Dans un vrai stade. T'es pas au Paris Saint-Germain non plus. Là, c'est un vrai stade pour toi. C'est un vrai stade. Ok. Ah, ouais. Ça, tu vas sentir le foot. Ok. Ah ouais. Waouh. Ah oui. Ok. Ah ouais les gars. Bon, cette mi-temps là les gars, on va la vivre comme un match entier, je peux vous le dire. Ça va quoi? On veut faire une photo après ou quoi? Là on regarde le match et on fait ça après. Nickel. Ouais nickel, nickel. On fait ça après les gars, après le match. Nickel. Bon bah là mon dame, on peut profiter, c'est bon. Mec, on a juste l'attaque là de Marseille, c'est parfait en plus. On est un collègue marseillais à côté, ça regarde, ça va ou quoi mec? Ouais. C'est pas un problème les gars. Là, il est où là? Là il est là-bas là, il vient de tomber. Ça chante plus fort là-bas ou là? Tu préfères là-bas toi? C'est comment ça s'appelle là-bas? Sans Ok, et là? Ok. Là c'est les fanatiques, là t'as les Dodgers. Ok. Les fanatiques, et là ils sont... Ouais, là, c'est les... En haut à gauche. Bâtard, on a loupé. Ah ouais. Ah ouais, bâtard. On a loupé ça. Ok. Ah bah la prochaine fois on sera à l'heure. Ouais les gars ils sont là. Là tu viens avec un maillot de Paris, là tu prends ta météo. Ouais. Y'a moyen que tu fasses frapper fort. Ouais. Ah, il y avait le classico, ouais. Il y avait un mec de Paris qui était venu avec le maillot de Paris, qui s'était fait pousser dans le vieux port. Mais non. Ah ouais. Oh putain. Oh bâtard! On avait un but, let's go! Le numéro 9, Vitor! Oh putain, il marque tous les jours les Vitula! Oh bâtard! C'est des magasins comme ça? Ah ouais, ça arrive à moi. Tu vois, j'ai rentré dans le kayak, c'est dans le sens humain, je descends à la mi-temps. En vrai, la mi-temps, ils font des pogos, ils viennent aussi, ils mettent des musées, c'est incroyable. Ah ouais. Jamais 2 sans 3 et 3 TROYES.
meilleure que toutes les rêves de toutes les vidéos. Pas mal, elle est pas mal. Jamais 203. Jamais 203. Par rapport à 3 avec qui ? 3, jamais 203. Ils sont toujours dans l'excès. Ils sont tous dans l'excès. Waouh, on voit rien, les gars. Hier, il y a un incendie. Waouh, ouais. En fait, ça vient de là, les nuages dans le ciel. Ok, les gars, c'est le temps additionnel. Je vais essayer de voir quelque chose. 10, 3 minutes. Est-ce qu'il y a le temps d'en mettre un autre? Attention! Oh là, oh là, oh là, oh là! C'est mal là, non? Ouais. Oh là, oh là, oh là, oh là! Oh non! Oh non! Oh non! Non, si j'ai bien compris, la fête continue à côté de tout ça, les gars. Eh, j'ai trop faim. Mmh. Ben là, papy Douce, c'est bon ça ? T'as bien aimé ? Oui. Après l'effort, le réconfort, les gars. Ça, c'est extraordinairement bon. Vous débarrasser la petite assiette, celle-là ou... Oui. En fait, il y en a, regardez le match, là. Je la transition, elle est très bizarre entre ce qui s'est passé avant et là. Hein. Bon, les gars, on vient de rentrer à l'hôtel. Il est actuellement minuit 16. On se lève. Et pas Benoît 16. On se lève demain à 4h30 parce qu'on a le train à 5h20. J'ai un rendez-vous à Rennes à 15h, donc faut qu'on fasse le trajet jusqu'à Paris en train, ça prend 3h. Ensuite, 1h d'Uber jusqu'où est garé Patrick. Et ensuite, 3h de voiture. Pour terminer en beauté cette vidéo, petit point Paris. Déjà, on peut dire qu'on a réussi les défis. J'avoue qu'il y a deux matchs, du coup on a loupé une mi-temps à chaque fois. J'avoue que je suis un peu dégoûté, mais peut-être que l'année prochaine, on retentera. Et cette fois-ci, sans louper aucune mi-temps. Du coup, moi, j'ai fait un petit pari d'Obi en soum-soum dans l'avion. Genre ni vu ni connu. Bah oui, parce que pour le coup, j'étais pas content avec quoi. Et j'ai mis Marseille gagne de 3 buts ou plus. Ah mais c'est pour ça qu'à un moment tu m'as dit, oh, on a vu un but, il y avait 3-0. Ah ouais, c'était genre le but de 3, il m'a... Mais attends, mais c'était à la 80... Bah ouais. Donc du coup, ça fait qu'à cause du but de 3 tout à la fin, bah mon pari n'est pas validé, j'avais mis 20 balles. En plus, la cote était pas folle, elle était à 1,80, tellement Marseille était au-dessus. Ah. Je me suis dit, Marseille, je compte 3, voilà, 3 buts, quoi. Ok. Et toi? Boum. Ah, 204. Ah, t'as pris le combiné? Bah, c'est le combiné, ouais. Donc, t'avais mis 15 balles au combiné, j'avais t'as gagné 204. J'ai mis 15 balles et j'ai gagné 204 euros. Donc, les 5 équipes que t'as mis gagnantes ont été gagnantes. Ouais.
Les gars, ça, je vais pas vous mytho. C'est rare de fou. C'est de la chatte. C'est de la chatte de la chatte. Et du coup, j'avais mis un petit pari quand même sur le match. Pareil, dans l'avion en Soum Soum. Ok. J'avais mis un combiné. J'avais mis résultat, donc Marseille gagne. Ok, ça c'est bon. Il y avait 2 ou 3 buts. Et là, il y en a eu 4. Il y en a eu 4, donc ça passe pas. J'avais mis que la mi-temps, il y avait le plus de buts. Ah oui. Et que Marseille se prenait pas de buts. Le combiné des enfers. Mais gros, ils mettent pas le but. 3 met pas le but. Oui. Déjà. Ça me valide les deux. Il y a juste deuxième mi-temps, c'était nul. Bah avec des si on refait le monde. Ouais, et avec deux Uzi, on arrose tout le monde. La fouine. C'est très bizarre l'ambiance. C'est un maillot du Stade Rennais, attention. Attention. C'est une expérience de fou malade. Donc merci encore à Betclic de nous avoir permis de faire ça. Rendez-vous l'année prochaine pour refaire un truc encore mieux. Si on peut tenter les 6 matchs. Je sais pas si c'est possible. En mélangeant Ligue 1, Ligue 2, je pense qu'on peut tenter 6 ou 7 matchs. En ne tentant que du Ligue 1, je pense que 5 matchs, c'est peut-être le maximum. Ou sinon, faut qu'on tombe sur des bonnes journées. Ou jet privé. Jet privé, ça pourrait. Ou hélicoptère. Enfin bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce long métrage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne parce qu'on a passé les 4 millions, mais road to 5 millions. Je vous aime très fort. Les gars, vraiment très fort. J'ai passé une expérience de fou. Donc merci à vous.